Ce résumé vous est proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Le ballon récupéré là-bas par Tété, contré, c'est Rodrigo, le ballon chez Marcelo, la petite talonnade, c'est bien vu, Asensio la frappe et le pied de Troubin qui repousse ce ballon, première alerte dans le rectangle avec Asensio. Marlos avec Tété, non c'est Dodo pardon. Le ballon en profondeur pour Marlos, oublié par la défense du Real. Marlos en face à face avec Thibaut Courtois et l'arrêt de Courtois. Ah, c'était une occasion 4 étoiles là pour Marlos, parti dans le dos de cette défense du Real, un petit peu amorphe là. Et finalement, Courtois qui intervient bien à propos. Kornienko, il est passé, Kornienko toujours, et il peut glisser ce ballon, la frappe maintenant, et le but, mais voilà, l'ouverture du score, c'est, on va dire, mérité, parce que cette équipe du Shakhtar répond parfaitement au Real en étant organisée, et le but donc de Tété, je pense, hein, qui marque ce but, le Brésilien, lui aussi, qui est là. Au départ, il y a un bon travail de Dentinho, Solomon avec Kornienko qui fait une belle incursion là. Dodo avec Tété à nouveau, ah, il est passé Tété, la frappe de Tété déviée, Courtois qui arrête et ce ballon finalement au fond, c'est Varane qui marque contre son camp je pense, c'est pas Dentinho. 0-2 en l'espace de 3 minutes, le Real qui concède 2 buts là. Un premier arrêt de Courtois, un premier réflexe et puis bien malheureusement il ne peut rien sur le rebond. De nouveau un Tété à la base, la frappe déviée, Courtois qui repousse et c'est Varane hein, qui met le ballon au fond de son but en voulant empêcher Dentinho de jouer ce rebond. Solomon, c'est pas mal fait ce solo, Solomon dans la foulée de Tété, la petite talonnade pour Solomon, oublié Solomon, et bien voilà c'est 0-3, oh quelle promenade de la part du Shakhtar, mais là c'est incroyable, là, la passivité de cette défense du Real, Thibaut Courtois qui ne peut rien, mais c'est incroyable, Solomon qui a poursuivi sa course, et j'ai l'impression que Militao s'est complètement arrêté, ils sont aux abonnés absents, les joueurs de Zinedine Zidane. Valverde, ballon tendu, à nouveau une tête, c'est Asensio qui récupère de l'autre côté. Ils en ont plein les pieds là, les joueurs du Shakhtar, Modric, tentative de frappe, oui elle vient et c'est but, oh, magnifique envoi de Luka Modric, pleine lucarne qui sonne peut-être le réveil du Real, 1-3, 53e minute, ouais, voilà Modric les gestes en disant c'est comme ça qu'il faut jouer et ça va peut-être lancer la remontée du Real. Avec Modric. Et donc effectivement la sortie de Luka Jovic et la montée de Vinicius Junior. Qui comme souvent prend la place à gauche. Il a surpris la Vinicius. Première touche de balle et but. Et bien voilà, ça c'est une entrée percutante de la part de Vinicius. Premier ballon et c'est but. Il intercepte la passe, il surprend Marlos et il fait 2-3. Ah ben comme quoi, Vinicius qui monte au jeu. Regardez, il n'a pas encore touché le ballon. Hein. La passe, Marlos qui attend, Vinicius qui le surprend et qui trompe Troubin bien sûr.
Ballon en retrait, Marlos, la frappe et le but. Eh oui, c'est but, Valverde qui marque. Dommage pour Troubine, hein, qui voit ce ballon lui filer sous la main. Vinicius qui bouge légèrement la jambe. Alors que va dire monsieur Jovanovic? Eh bien, il indique une position de hors-jeu et donc le but est annulé. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.